trouver un dîner presque parfait tout de suite sur W9. Nos 5 candidats vont devoir se surpasser. Alors, on va peut-être faire un reportage animalier. Attends, je vais défaire mon pantalon. Ce qu'on va faire, c'est que... Ben, je vais éteindre. Est-ce que voilà. Tu peux allumer le vol ? Comment ? Oui, vas-y. Si attends, il faut peut-être allumer. Alors. On est en préparation, ça prend un peu de temps. Non, moi je suis un peu déçu. On m'a dit de faire un zoom sur. Voilà. Merci. Quelque chose de chiant. Les fleurs de douche des enfants, comme ça. Action. Action. Alors, moi. T'as vu les notes là ? Oui, j'ai les notes. Non, mais regarde, là on a un 2 en même temps. Là. On a un 2. Non, non, ça, c'est un 3. Alors, moi, je voudrais noter, s'il vous plaît, la qualité. La qualité de nos invités. La qualité d'écriture, je pense qu'on traîne avec des analphabètes déjà pour commencer. Je propose un 2 parce que certains ont quand même fait l'effort d'utiliser l'encre du stylo. Ça fait plaisir. Je note un 2. Voilà, voici 2 pour l'utilisation de l'encre et pour ceux qui ont écrit leur mot correctement pendant le jeu. Ok, Nuti. Voilà. Ok, Nuti. Okay. Alors, moi, je voudrais surtout voter pour le 1. On va parler du 1. Moi, je mets un 1 à celui qui a mis un 1 quand même parce que je pense qu'il est jaloux. Alors, parce que sinon on me voit pas. Ils ont pas compris. On va recommencer. Voilà. D'accord. Donc, alors le ressenti de votre soirée. Le ressenti de ma soirée. Vous pouvez me regarder. Personnellement, quand même, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Le droit, c'est autorisé. Oui. Moi, je donnerais un 9. Mais pas du tout, n'importe quoi. C'est un 10. Pardon, c'est un 10. Mais c'est un 10 parce qu'on les aime. Vous voyez, notez le 10. D'accord. On a passé une très très bonne soirée et on. Je souhaite remercier les gens de leur participation à cette soirée. La raclette, le fromage était d'une qualité extraordinaire. On s'en bat les couilles, nos copains, ils étaient là, c'est tout. Ah bon, d'accord. Bon, moi, on s'en fout. Donc, la qualité de la soirée pour vous, c'est un 10 sur 10. Pour moi, c'est un 10. Pour moi, c'est un 10. D'accord. Est-ce que fromage aux copains, c'est pareil. Ouais. Est-ce que je peux noter mon anniversaire ? Ah oui, ton anniversaire, tu le notes combien ? Alors, attendez, je fais peut-être un petit zoom. Voilà, je vais faire une crise d'épilepsie. Allez-y. S'il vous plaît, je voudrais juste mettre un 10 pour mon anniversaire. Pardon. C'est le meilleur anniversaire que j'ai fêté depuis très très longtemps et je remercie tous les gens qui sont venus. C'était tip-top. Voilà, exactement. C'était parce qu'il y avait ma meuf. Il y a moyen que je vais baiser ce soir, les gars, je vous le dis. Je vais choper ce soir. Donc voilà, ça tu le couperas en montage, hein, s'il te plaît, bien sûr. D'accord. Bien entendu, tu ne couperas pas du tout. On coupe. Oui, reprenons notre sérieux donc. Voilà, donc je mets un 10 à tous mes invités, ça m'a fait très très plaisir de tous vous recevoir et je vous remercie tous d'être venus, vous m'avez régalé. Est-ce merci que je peux beaucoup. Noter Et merci Chicha, ma patronne d'amour que j'aime, bien entendu. Ma patronne d'amour que j'aime. Et je te retrouve en mars à Gelato et je t'aime. Ça pue là. Alors, est-ce que je peux mettre alors la note globale. Ça va? Alors, allez, vas-y, vite. Déjà, c'est l'asphyxie. Alors, la note globale de l'asphyxie. Dans le cadre de l'asphyxie, parce que j'ai lâché beaucoup de papier, je mets un 167. 167. À tous mes copains que j'aime qui étaient là. Et est-ce qu'on peut partir? Parce que je vais pouvoir respirer. D'accord. Ça pue la mort. Merci, messieurs, dames. C'était envoyé spécial. Et demain, n'oubliez pas que demain, la soirée dîner presque parfait. Oh, j'ai pas dit là. Attends. Demain, ça se passe. Merci la famille. Merci. J'ai un bouton là. Oh putain, oh une olive. Alors, pour l'ambiance. Alors, l'ambiance, moi, je me suis vachement amusée. Je mets la note de 10. Et mes copines, elles vont peut-être. Pour la bouffe, qu'est-ce que tu mets? Oh là là. C'est bon. Donc 10 pour la nourriture, c'était fabuleux, le fromage était gratiné, la charcuterie fabuleuse. Par contre, le bug technique, on n'en parle pas. Pardon, ça t'a Julieta. On met un pour le bug technique. Le bug technique, mais pour l'ambiance générale. Et pour le jeu, l'animation. 10. Un 10. Parce qu'on a quoi? On a gagné. On a gagné. Mon Dieu, ça fait peur. Merci les filles. Brouette. Alors...
Je pense que c'était un peu brouette. Hein. D'accord. On est d'accord. Je suis dans une machine à laver au niveau de l'apéritif. Qui, je pense que pour la note du repas, je pense que ce serait au marché noir qu'on pourrait vous payer ce bon repas. Ludovic, regarde-moi, je suis ici, s'il te plaît. Voilà. Alors, pour l'ambiance. Mais bon, il y a bonne ambiance. Hein. Il y a les notes, hein, derrière. 3. Pour l'ambiance, 3. Mais non. Non. Un petit 7. Un petit 7. Tu peux me montrer le 7, s'il te plaît? Ok. Il y a toutes les couilles, frère. Alors, le repas. Le repas, c'est nique sa mère et c'est 10. Direct, c'est une raclette, quoi. Tu me trouves le 10, tu me montres. Voilà, le bon 10. Ok. On va être un petit 9,5. Alors, du coup, il faut mettre une virgule. Hein. Ok. Merci, Ludo. Je sais pas si ça marche. Ça marche. Bonjour. Alors, maintenant, à moi de donner la note. J'ai un monsieur à côté de moi qui n'a pas réussi à partir. Alors, moi, pour l'ambiance, je trouve que l'ambiance était superbe, mais qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Donc, je donne un 1. Voilà. Pour le repas c'était super bon, mais j'aurais préféré plus de produits maison. Donc je donne un. Ouais. Et pour alors l'animation c'était super, à part peut-être quelques invités. Alors pour l'animation par contre je suis pas radin, je donne un 2. Voilà. Et à bientôt. Et demain soir n'oubliez pas, c'est chez moi.